Et une fois que j'aurai repris tout ce que j'ai perdu, on va envoyer le juste avec. Hein. On coupe. On arrête. Est-ce que du coup il peut être parrainé par moi vu qu'il est... Ouais, parfait. Ouais, tu m'as fait gagner un mois. Donc un jour je sais plus, ça fait plaisir. Ouais, moi je prends en gros. Passe par là toi. Tu dois passer au vestiaire ? Là le vestiaire il brille. J'ai réussi à finir en... Tu peux dire en juif en vidéo ou on va se faire défoncer ? T'as pas un truc pour moi ? Je crois que je me balade avec cartoon ou quoi, t'as l'air ouf. Ah, j'aurais été obligé de passer dans les trucs là. Je me dis à moi, je fais du crawl dedans là. Ok, salut les guerriers. Bon, on n'est plus à l'orange bleu. On n'aime pas trop filmer quand il y a du monde. Il me dit parle doucement. Hey, quand je dis salut les guerriers, tu dis quoi? De la FF. Allez, il n'y a toujours pas compris. On est là pour faire des fusions. Ah oui. Donc salut les guerriers, bienvenue sur Finesse Fusion. Il veut plus, il veut pas. Donc là, on va tester plusieurs salles pendant cette mini-série. Ma carte bleue, pour... là. Ouais, je l'ai. Je vais partir avec, frère. Je vais pas manger, je vais perdre du poids. Elle est là, les gars. Il m'a dit... T'as montré les codes, il faut les flouter. Hein. Voilà, déjà que je suis en négatif. Je sais pas le faire. Allez, c'est carte pro, merci. C'est lui qui a invité la séance. Allez, merci, là. Fitness Révolution. Donc moi, je suis toujours inscrit à Basic Fit, mais avec les règles du déconfinement. On a le droit seulement de s'entraîner une heure. C'est la misère. J'ai décidé de mettre à Fitness Park. Et je vais vous montrer comment ça se passe chez eux. Toutes les mesures qui ont été en prise. Et on retournera aussi à Basic Fit pour vous montrer pourquoi j'ai décidé de quitter Basic Fit. Chaque salle qu'on ira visiter, on vous montrera les mesures mises en place. Et on fera un entraînement sur un muscle différent. Aujourd'hui, c'est le dos. C'est la séance de Pimous. Comme pendant le confinement, on faisait les séances de Bastos. Aujourd'hui, c'est Pimous que je vais suivre. Et quelle séance tu nous as préparé, Pimous? Dos. Dos, arrière-épaule, biceps. Ok. Dos, ensuite superset, arrière-épaule, biceps. Et Shiba. Chibre. Ouais. Albino, il déteste filmer dans la salle où il s'entraîne. Il aime pas se faire remarquer. Il y a des traits, on a pas le droit de la bouger. Un Pimous, t'aimes pas quand je fais ça? Non, j'aime pas. Quand je filme dans ta salle. C'est la salle où je m'entraîne. Par contre, tu vois, c'est pas la même couleur, mais c'est les mêmes machines, hein, basiques et Fitness Park. Ouais, c'est les mêmes. Bon, pour l'instant, on s'entraîne. Et pendant notre entraînement, on vous montre les mesures qui ont été prises en place par rapport au déconfinement. Là, déjà, on peut apercevoir un petit couloir de natation. En gros, on est obligé de respecter les traits qui sont par terre pour passer, sinon, ben, je t'entraîne dehors. Il n'y a personne qui respecte. Hey, moi, ici, c'était ma première salle avant que je déménage et c'est là où j'ai fait mes plus grosses séances. Comment je suis content de revenir ici. Là, l'année prochaine, gros physique, les mecs. Si vous vous inscrivez à Fitness Park, le code PIMOU10, PIMOU10 marche aussi. Allez, on. Ta dernière séance, on avait filmé quoi? C'était une séance quoi? Dos, biceps avant-bras, j'ai eu mal pendant 3 jours. Biceps avant-bras, on a fait ouais, une séance bizarre à la Pimous et on a oublié d'allumer le micro. Bon, en tout cas, serviette obligatoire sur les machines, sur les rameurs par exemple, faut pas les mettre. Hein. Là derrière, je vois qu'il y a un mec, il n'y a pas sa serviette sur le rameur. Pas possible, ça se coince dans les rails. 4x10. 4x10 parce que c'est mon poids de corps la charge. Lui quand il met 73 kg, il pèse 90, c'est facile pour lui. Après on va monter en haut pour le rowing, comme ça il y aura moins de monde. Je vais vous montrer l'étage. Tu vas les monter? Ouais, je vais les monter en l'air. Je vais vous montrer l'étage en haut, ça défonce. Franchement Fitness Park c'est le feu. Hein? Personne prend mes charges, je veux pas le savoir. Je reste le plus fort des natifs dans cette salle. Je suis là, hein. je me suis inscrit, je suis dans cette salle. Eh ben mets-toi au boulot alors. Je suis le plus fort. Mets-toi au boulot. Les gars, dites-vous que je suis le plus fort des natifs dans cette salle. Faut pas l'écouter. Je suis le plus fort. Ton gros cul là. Ça tu peux mettre. Ça fait plaisir. Si il est gros, si il est musclé. Tu vas où là? Je vais tout faire, respecter. Tu vas quoi? Respecter le sens des flèches. Ah non, il se fout de ma gueule là. On doit aller là-bas, il faut faire tout le tour. Ouais, tu sais, moi je suis une bière, je vais aller voir le mec, je vais lui dire monsieur, respecte pas le sens des flèches. Hop, un dopé en moins dans la salle. C'est bizarre quand même cette flèche là. Moi je me sais. On était ici, on m'a fait faire tout le tour. Et allez, l'escalier là, il me fait tourner en rond. Il nous expliquait un peu les petits traits au sol. C'est l'espace de chacun à respecter. T'as pas le droit d'empiéter sur l'espace des autres. En fait, si le mec est sur le banc, t'as pas le droit de t'approcher. Donc là, les bancs, ils sont tous à une place précise et personne n'a le droit de les décaler. Ils doivent tous rester ici. Vous pouvez pas vous amuser à bouger les bancs dans la salle. Bon, nous, on est parti. Albino, on fait quoi? Enfin, Pimous. Oui. Rowing. Il va pas charger, il est fatigué. On va juste mettre 100 kilos, je mettrai plus la prochaine. Ah, on va juste mettre 100 kilos, là ça fait plaisir. Ah, j'ai dit on va pas charger, d'habitude je mets du 130-140 frère. Ah, là j'aime.
pas des centres de tirage. Non. Ouais, tu en fais un fragile là ? Je mets toujours des centres de tirage quand je fais ça. Et donc là, on fait petit charge. Hein. Franchement, il y a 80 kg, on va faire grosse séance. 90. 90 ? Ouais. Ah, c'est. Ah, d'accord, c'est des poids de 15, c'est pour ça que ça m'a paru lourd. Ouais. Bon, on va peut-être passer à 100 alors quand même. Moi, ça fait 2 semaines que je me suis pas entraîné. C'est pour ça que vous me voyez maigre là en vidéo. 2 semaines que je me suis pas entraîné, petite tendinite à l'épaule. Je suis parti faire des travaux chez mon frère, je tapais avec la masse dans un mur, je devais tout casser, laisser tomber. Aucune technique, j'ai tout pris dans l'épaule. My prout, les gars. Pour ceux qui savent pas, on vous offre 200€. Giveaway, il est valable jusque minuit là, quand la vidéo là sortira. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo pour voir les conditions et obtenir les 200€ de cadeau. On a été sympa. Voilà, squat avec ton dos. Nickel. Les bandes MyProot sont pas terribles. Du coup, c'est du giveaway, c'est moi qui les garde au final. J'ai perdu les miens. Non, mais en vrai, vous mettez 2 foulards, ça revient au même. Et bon, là, ça va être offert pour vous. Allez, prenez-les. Allez, 110, hein. On avait dit 100, il s'est chauffé, il a mis 110. Baisser de façon très grosse, je suis en hypoglycémie. Quelles sont les grosses séances? C'est après cette mini-série quand on fera le road to Bazinga. Pour pas de Bazinga, je dois taper 270 au sous des pierres. Je crois qu'il y a 200 au squat. Et au coucher, je l'ai déjà battu. Au coucher, je suis loin devant. Donc il vous disait road to Bazinga, il va essayer de le rattraper sur ses perfs. Et moi, je vais le rattraper sur le côté esthétique. Donc là, je suis tout maigre. Avec ce qui s'est passé pendant le confinement, ma tendinite, les vidéos. Je sortais 2 vidéos par semaine. Hein. Ces derniers temps, alors que j'avais l'habitude d'en sortir une par semaine. Ça a pris beaucoup de temps, j'étais moins sérieux sur la diète. J'ai perdu du muscle, les gars. Je vais vous faire un avant après et on rattrapera le physique de Bazinga. Je suis sûr que je peux l'atteindre. Ici, on paye 30€ pour une salle de Zub, ouais. Ah, en France. Ça va venir avec le temps. Même, tu peux linker la vidéo, vous pouvez la regarder. Quand on est parti à Maison Alfort, à Créteil, la salle à 30€, là. Tu me mets là-dedans. Donc voilà, je me dope direct. J'envoie les stéroïdes tout de suite. Comment ça va? Direct. Les gars, ne l'écoutez pas. Non, on va faire un peu de. Fais-moi faire des bonnes machines. Tu as pas, vas-y. Fais-moi faire les mollets. On fait le dos. Non, mais ici, est-ce qu'il y a des presses à mollets? Allez, allez là-bas. Voilà pourquoi je faisais pas mes mollets, vas-y. Il n'y avait pas de machine. Là, il y en a une belle. En ce moment, ce que je fais pour les mollets, c'est que je les travaille pendant mes jambes. Par exemple, à la presse, je vais finir en extension cheville pour travailler les mollets. Ah, elle brille la machine à mollets. Hein? Plateau au sol. Ah, les poulies, on peut les utiliser. Bah ouais, on pourrait pas. Ah, Basic Fit, je vais vous montrer hein, les poulies. Il y a une poulie, c'est ça? Une poulie, il n'y a pas de vis-à-vis. Quelle indignité. Ça, vous le verrez dans le prochain épisode, on ira à Basic Fit. Après, ouais, on fera sûrement. Il y a quoi d'autre comme salle? Giga Gym, ça a rouvert, non? Ça s'appelle plus Giga Gym. Il y a Partness. Il y a Keep Cool, je crois, sur l'île. Keep Cool, on pourra aller faire Keep Cool. Bon, on va faire un tirage là, mais en léger. Là, tu étais sur l'épaisseur du dos. Ouais. Et du dos, il faut travailler sur la largeur et l'épaisseur. Donc, tu vas démarrer. Déjà vu. En tirage vertical. Déjà vu. Et tu vas finir en. Oh non, c'est bon. Et là, tu étais sûr de recruter le fibre. Bon, est-ce que c'est un exercice bizarre ou efficace? Un mix entre le tirage poitrine et le rowing. Vous savez en qui se transforme là? En Mozambo. On va l'appeler Didio Zambo. Regardez, quand vous venez de basique, une simple machine comme ça, ça vous donne envie. Pourtant, je sais que chez vous, vous devez en avoir des machines comme ça. Pour les biceps, mais Pure Strength, hein, la marque, ça c'est une vraie marque. Là pareil pour les dips. La meilleure, ma préférée, elle est là-bas. Oh putain, vivement les pecs. Oh lolo, le rêve. Je me suis inscrit ici, les gars. Je me suis inscrit ici. Là, je vais faire des gains, les gars. Bon, on doit vous montrer les mesures qui ont été mises en place pour le Covid. Mais je suis amoureux de cette salle, quoi qu'il arrive. Je t'ai même pas lavé les mains encore. Frère, si je devais l'avoir, je l'ai déjà depuis longtemps. Normalement, on doit nettoyer les machines avant et après utilisation. Pimous, t'as fait quoi? J'ai lavé mon fibre. Là-bas, il y a une grosse marque de sueur sur le. Ouais, je t'ai jamais vu gras, toi. Je t'ai jamais vu gras. Ah, mais c'est un avantage et un inconvénient. Niveau perf, si tu veux être très fort, faut être gras. Mais esthétiquement parlant, c'est la merde quand t'es gras. Moi, c'est la merde, par exemple. Ouais, ouais. Moi, j'aime bien les physiques secs, très secs. Moi, j'aime bien les physiques genre, secs. Mais un physique que j'aime bien. Un oui. Physique que j'aime bien, les gars. Comment il s'appelle? Loïc Fit. Après, on sait que tu utilises des produits, donc j'ai toujours focus le physique de Alex. Ça, je sais qu'il est atteignable. Bazinga, je pense qu'il est atteignable. Mais vraiment, un goal physique, Loïc Fit, quand il est en pur.
mais c'est pas possible. Petit Insta, on n'oublie pas de rajouter Fitness Fusion. D'ailleurs, le giveaway, ça se trouve là-dessus, mais aussi sur Twitter. On est partout maintenant. Tu me redis Kouya ou tu me Nassim Saïd? Nassim Saïd, il avait dit pour le dos. Hein. T'es sûr? Je crois que c'est l'inverse. Je sais plus. On en a fait une vidéo pourtant. Allez voir le versus. Moi, je suis team celui qui a dit c'était le dos. Et ben moi, je suis team aussi pour celui qui a dit c'était le dos. T'as étiré le Shiba. Enfin, j'étais dans mon lit, il y a une heure de sorte. Ouais, j'ai rendez-vous 11h, il arrive à 11h40. Toujours ponctuel. Mon réveil n'est pas sonné. À 11h, il m'a dit, ouais, t'es réveillé, je sais très bien, il était où encore. Hein. C'est ma salle, genre. Ça a l'air. Dans ton home gym, t'en as pas encore parlé en vidéo? Non. Parce que un gym pour. Il nous a dit que pendant le confinement, il s'est pas entraîné, mais il a quand même fabriqué un home gym. Hein. Ouais, mais je l'ai reçu 2 semaines avant la fin. Il a pas fait le coup. Hein. Recevoir son gym 2 semaines avant la fin du confinement, franchement. Ça reste un investissement, je suis content de l'avoir acheté. Non. Allez, donc on va bientôt aller chez lui faire un petit tour de son gym. Bah, c'est bien, il y a même un chronomètre. Gros. Parce que tu vois, moi, il y a des séances où je veux pas prendre mon téléphone de peur de le regarder pendant mes séances. Mm-hmm. Du coup, je coupe mon tel. Le problème, c'est que à chaque fois, je prends mon chrono sur mon tel. Voilà pour la petite histoire. En plus, les lumières ici pour les vidéos, franchement, ça va être énorme. Gros. Ah, moi aussi, tellement faim. Je vais manger chez la daronne là en plus. Ah, pas, hein. Oui, oui, oui. Je l'ai même pas prévenu. La chouarba avec du poulet. Inch'Allah. Il croit que c'est un cabine, mon cousin. Moi, je vous le dis, il s'appelle Albino. C'est faux, je m'appelle Aziz. Bon, là, ce que je vois, on part sur un super set. Deltoïde postérieur, biceps. Même pas besoin de les faire, toi. Là, tu les fais pas, toi. Avec plaisir. Fais tes mollets après. Tu veux bien me faire plaisir à tes mollets? Je fais les jambes, mais je peux les faire tous les jours. En vrai. Tu veux bien me faire plaisir, fais tes mollets. Bah oui, tu veux jamais les faire. T'es à jeun, non? Je la passe tranquille. T'es con, tu m'aurais dit, je t'aurais rien à manger. Ça va être trop faussé, donc en attendant, je vais juste faire du maintien pour reprendre toute ma masse. Et une fois que j'aurai repris tout le muscle que j'ai perdu, on va envoyer juste à des gars. On coupe. On arrête. C'est bon, on peut rigoler, ouais. Non, après, on va juste dégager. On ne rigole pas avec ces choses-là, ce ne sont pas des bonbons. En plus, c'est lui qui me fournit, il fait le mec. J'ai entendu du mec, il me disait ouais, mais les cachets, ça va, c'est pas dangereux, c'est comme des bonbons. Ouais, les piqûres, ok, c'est hardcore. Ouais. Mais les cachets, on dirait que c'est des bonbons. Mais les gars, ça vous flingue la santé. Ouais, là comme l'autre, c'est de la merde. Basta. On se retrouve pour l'outro. Ok, dernier, fin de training dos biceps. C'était la séance de Pimous. Plutôt pas mal. C'est pas maintenant qu'il faut le dire. C'est à la fin. Donc c'était plutôt pas mal, beau ressenti au niveau du dos et des biceps qui ont bien chauffé, mais ça change jamais. Je pensais que ça allait dire que c'était pas ouf, mais je crois. Non, si, c'était pas mal. Les exercices sont bien choisis, bien placés dans la séance. On n'est pas là pour vous parler de ça, mais au moins vous avez vu comment on s'entraînait. Donc sinon, au niveau des mesures qui ont été prises, bon déjà on a eu la séance gratuite. Les flèches, ok, ça il y en a dans toutes les salles. Ici elles sont bien faites, ils se sont appliqués. Franchement, il y a des petits virages, des petits ronds-points, c'est propre. Il y a du gel hydroalcoolique à l'entrée, ça c'est normal, un partout. Bon, sinon j'ai pas vu. Il y a ces choses là aussi pour laver les mains. Mais tu vois, c'est discret dans les autres salles, c'était plus prononcé. On les voyait plus facilement. Après, j'ai parlé au gérant et il m'a dit qu'à partir de la semaine prochaine, ils allaient resserrer un peu les vis et prendre des mesures un peu plus strictes. Parce que franchement, je suis parti à Basic Fit, on sentait vraiment qu'il y avait le Covid dans l'air, tu vois. Vous allez le voir ça dans la prochaine vidéo. Mais ici à Fitness Park, on dirait que rien n'a changé. Il y a à part les flèches au sol. Mais ça fait plaisir. Parce qu'on peut s'entraîner plus d'une heure. Mais voilà, il y a moins d'adhérents. Du coup, c'est plus facile de lutter contre ça. Ok, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Moi, j'ai bien du aimé. Fun. Il n'y en a pas eu trop. Du fun, hein. Désolé. Je rentre dans la voiture pour ah, on a l'habitude de s'entraîner dans une salle où il n'y a personne. Là, il y a... Bon, il y a 10 personnes, ça va. Franchement, moi, je suis à l'aise pour filmer. Mais on ne peut pas commencer à acheter les poids, à faire un dégât dans la salle. C'était Fitness Fusion. De la FF. Vous étiez en présence de Pimous et Didjo. Force et fun.